voici les débris de l'hélicoptère qui s'est écrasé sur un immeuble d'habitation. Il avait décollé tôt ce matin de Kiev, à 20 km de là, avec 9 passagers à son bord. Tous sont morts, dont le ministre de l'Intérieur ukrainien. Voici les premières images filmées après le crash. On y voit une longue traînée de feu, sans doute due au kérosène de l'engin. Le gouvernement ukrainien explore toutes les pistes, mais la thèse de l'accident est privilégiée, alors que les conditions météo étaient difficiles. L'hélicoptère décollant de Kiev, probablement par mauvais temps, a pu aussi heurter un obstacle, si vous voulez, ce qui explique en fait ce bilan humain qui est extrêmement lourd. 18 morts au total, dont 3 enfants en bas âge, puisqu'une école maternelle se trouve sur le lieu du crash. Le ministre de l'Intérieur se rendait sur le front. La défense anti-aérienne de la capitale n'a pas été déclenchée, ce qui renforce la thèse de l'accident. Cette tragédie nationale frappe l'Ukraine 4 jours après le tir meurtrier de Dnipro, qui avait tué 45 civils, dont 6 enfants. Bien que tout indique le tir d'un missile balistique contre cet immeuble, la Russie dément formellement être à l'origine de la frappe.